Waouh, j'ai reçu une box magique. Vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Suivez-moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente les ingrédients qui étaient dans ma box magique. Deux blancs de poulet, du poivron, des spaghettis, de la sauce soja, de l'huile, une assiette de légumes, des petits pois, de la carotte, un peu de gingembre, un peu d'oignon, un peu d'ail, du piment, sans oublier les deux vedettes du jour. Le magique poulet et le stick magique épice. Nous allons réaliser un wok de poulet aux spaghettis et aux petits légumes croquants. Pour cela, je vais commencer par émincer mes blancs de poulet. Ensuite, réaliser une bonne marinade pour laisser tout ça bien s'imprégner de la sauce. Et puis, on va passer à la cuisson. N'oubliez pas d'avoir des morceaux de même taille pour que la cuisson soit homogène. Si vous avez des morceaux plus petits, des morceaux plus gros à la cuisson, ça risque d'être un peu compliqué. Après les blancs de poulet, nous allons passer à l'ail. Et pour l'ail, j'ai ma petite technique. Je ne me fatigue pas du tout. Je fais ça. Je prends le dos du couteau, je mets sur l'ail et j'exerce une pression. Tada! Nous allons passer à la marinade. Prendre la sauce soja. Je mets dans mon bol. Je mets de l'huile. J'ajoute le gingembre râpé, haché si vous voulez aussi. Je mets mon ail. Je vais ajouter une des stars du jour, le magique poulet. J'ai hâte même pour relever le goût, pour donner plus de saveur à mes blancs de poulet. Je mélange tout ça. Ma marinade est prête. Je vais tremper mes morceaux. Il faudrait que la couleur soit homogène. Donc, j'ai fini de mélanger. J'ai une couleur homogène dans l'assiette. Je vais laisser tout ça reposer quelques instants. En attendant, je vais découper mes légumes et faire cuire mes pâtes. Je vais juste prendre la moitié du poivron. Je vais émincer mes piments. Donc voilà, j'ai fini de découper mes légumes. On va passer à la préparation à proprement parler. Je vais faire cuire mes pâtes dans de l'eau bouillante. Pendant que mes pâtes sont en train de cuire, on va passer à la question du jour. Avons-nous besoin d'ajouter du sel quand on utilise magie? Réponse A. Oui, bien sûr. Réponse B, non. Réponse C, cela dépend du plat préparé. Je vous laisse quelques secondes pour répondre en commentaire. Youpi! La bonne réponse est B. Pour un repas de 6 personnes comme celui-ci, nous avons besoin que de 2 bouillons magiques. Et j'insiste là-dessus, pas besoin d'ajouter de sel. Les 2 bouillons magiques suffisent largement pour obtenir le meilleur goût. Mes spaghettis sont prêts, je les ai égouttés et réservés dans un bol. On va passer à la préparation de notre wok de poulet aux spaghettis. L'huile est bien chaude. On fait sauter tout ça pendant quelques minutes. J'ajoute mes oignons émincés. Ensuite, mes carottes. On va laisser tout ça cuire ensemble. Là, j'ajoute les piments et les poivrons. 2-3 petites minutes et ensuite les petits pois. J'ajoute mon magie épice à ma préparation. Je mets mes petits pois déjà pré-cuits et je termine par mes spaghettis. Voilà. Je vous propose deux dressages de mon wok de poulet aux spaghettis. J'espère que vous avez apprécié la recette et surtout n'hésitez pas à visiter le site magie.ci pour encore plus de recettes. Allez, bye bye!